Yeah, let's go. Yeah. I said, what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Woofers breaking in. These bands have all been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to stake it. Call me Drake, the charts I'm taking in. I make all of these statements. Alors moi, c'est Dylan Espantoso. Commencé la boxe il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. J'ai été formé surtout par Aziz Lali, grand champion qui est aussi d'ailleurs référent au sein de l'US. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années que je coach, je suis aussi avec les enfants, les adultes, donc j'ai pris pas mal d'expérience. Donc là, j'ai vu pas mal de champions aussi, très grand nom dans la boxe pied-point. Donc c'est ce qui a fait aussi mon expérience. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Alors on a une section enfants, éducatif. C'est le mercredi de 17h à 18h30, ainsi que le vendredi, pareil, à 9h, 17h, 18h30. On apprend beaucoup les déplacements, les bases. On inculque beaucoup de valeurs, le respect, le dépassement de soi, la maîtrise de sa colère aussi, la maîtrise de soi. On a également la section Muay Thai, le lundi et le vendredi, de 19h à 21h. Donc là, c'est tout type, c'est loisir, tout type de niveau, ça peut être du débutant au plus confirmé. Au sein de l'US Chartron, on a surtout beaucoup de jeunes compétiteurs. Donc, tous les ans, on les amène en championnat d'Aquitaine. Tous ceux qui se qualifient en championnat de France, on les amène aussi en championnat de France, qui généralement est à Paris. Donc voilà, tous les ans, on sort en général entre 3 et 4 champions de France minimum. Et là, petite nouveauté cette année, on a 3 jeunes qui sont qualifiés pour représenter la France en championnat du monde à Venise.